Ottawa, capitale fédérale depuis 1867, regroupe tous les bâtiments administratifs. Le Parlement. Le château Laurier. Le musée des Beaux-Arts. La bibliothèque du Parlement. Le musée des civilisations avec ses totems. Croisière sur le Saint-Laurent pour découvrir les mille îles et ses résidences secondaires. Fort Henry, bâti pour protéger le Canada des incursions états-uniennes, est devenu un musée de la ville militaire au 19e siècle. Frontière entre le Canada et les USA, la rivière Niagara, en forme de fer à cheval, est le déversoir du lac Erie vers le lac Ontario. Les chutes, hautes de 50 mètres et larges de 800 mètres, alimentent des centrales électriques. Le nuage s'élevant au-dessus des chutes est appelé le voile de la mariée. Dans cette première capitale de la province, l'ancien Parlement canadien est aujourd'hui l'hôtel de ville. Kingston fut le théâtre d'une bataille entre États-Unis et Anglais où le général Brock s'illustra. Toronto, capitale économique et première ville du Canada. Toronto est cosmopolite, moderne, surprenante. 3 millions d'habitants y vivent. Le traversier est à roues à aubes. Et les typiques camions rutilants.
L'hôtel de ville est en demi-cercle. Ontario Legislative Building est en grès rouge. La tour CN, haute de 553 mètres, est un émetteur de communication. En moins de 58 secondes, on est propulsé à 346 mètres par des ascenseurs en verre. Le sol transparent et tournant au-dessus du vide offre une vue vertigineuse 342 mètres plus bas. Les amateurs de sensations fortes s'en donnent à cœur joie. La vue s'étend sur un rayon de 120 km. Montréal, c'est la deuxième ville francophone du monde après Paris, capitale économique et culturelle de la province du Québec. Elle compte 2 millions d'habitants. Du parc du Mont-Royal, on domine la ville. Les gratte-ciels côtoient les maisons victoriennes à escalier extérieur. La basilique cathédrale Marie-Reine du Monde et la réplique de Saint-Pierre de Rome. La sculpture, la foule illuminée, évoque la dégradation de la race humaine. Trente kilomètres de galeries marchandes souterraines sur cinq niveaux font la curiosité de Montréal. Québec figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. La porte Saint-Louis ouvre sur la ville haute fortifiée. À proximité, la statue de René Lévesque, fondateur du Parti québécois en 1968. L'empilement de pierres est représentatif de la culture inuite. Le Parlement occupe tous ces bâtiments. La fontaine est la réplique de celle des Quinconces à Bordeaux.
Château Frontenac, date de 1892. Cet ancien palais du gouverneur est aujourd'hui un hôtel de luxe, c'est aussi le symbole de Québec. Samuel de Champlain est le fondateur de la ville, père de la Nouvelle-France. Attenant au château, le belvédère offre une belle vue sur la ville basse et le Saint-Laurent. Le funiculaire relie le quartier du Petit Champlain à la ville haute. Près de la place Royale, la fresque des Québécois restitue 400 ans d'histoire du Québec. L'escalier de casse-cou date de 1660, il permet d'accéder aux restaurants et boutiques du quartier de Petit Champlain. La sculpture cubique « Dialogue avec l'histoire » a été offerte par la ville de Paris. Elle a été érigée sur la place de Paris en 1987. Au bord du Saint-Laurent, les docks et les silos à grains du port. Le traversier permet de passer d'une rive à l'autre. Les toits de la gare sont en cuivre. Un peu plus loin, le consulat de France. La basilique Sainte-Anne de Beaupré, bâtie sur les ruines d'une chapelle édifiée après une tempête qui avait fait 1650 disparus. La porte est en cuivre. La chute de Montmorency est haute de 83 mètres. Direction le nord, vers Tadoussac, pour une croisière d'observation des baleines. En hydravion, sur le lac à la Tortue, survol de la région.
Près du lac Saint-Jean, le zoo Saint-Félicien est une réserve d'animaux nord-américains qui vivent en liberté. 1000 animaux, 80 espèces, caribous, wapiti, cerf de Virginie, oricno, ours noir, loup, bison, etc. Les ours blancs sont des vedettes du zoo derrière une vitre. Vancouver, ville portuaire la plus importante sur le Pacifique. De larges avenues, des parcs immenses bien ordonnés. Un climat doux et tempéré qui en fait un endroit attirant où il fait bon vivre. Les Gravecoff est le plus beau village de l'île de Vancouver, avec ses maisons colorées sur pilotis. On embarque pour observer les orques sur le regard attentif de Lake Shove ou Pigargue. Les orques sont des baleines tueuses. Elles sont carnivores et friandes de phoques, lions de mer, etc. Par contre, les baleines grises se nourrissent de plancton de grilles.